reborn. Wow, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous sortons faire des achats. J'espère que cette expédition va vous plaire. À part ça, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire aussi. Vous savez, même la vie que nous avons, c'est pas une habitude, c'est que la grâce de Dieu. Dites-moi, est-ce que vous savez ce qu'on appelle le shopping? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le shopping? Le shopping, la partie où on voit les filles, ben, les femmes entrer tout simplement dans les grands magasins pour acheter tout et n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez ça? Mais bien sûr que oui. Mais est-ce que vous êtes accro au shopping aussi? Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont juste accro au shopping. Elles ne font qu'acheter des trucs sans même ce qu'elles se donnent, elles n'ont même pas besoin. Elles ne font qu'acheter. L'argent aussi. Quand tu as l'argent aussi, c'est quand même un peu bien. C'est quand même un peu bien. Bon, c'est bien. C'est intéressant. Mais ne fais pas de n'importe quoi. Quand l'argent est entre de mauvaises mains, ça risque de créer des bombes parfois. Et ça, c'est pas du tout joli, joli. Ok. Donc, marchons. Nous allons vous montrer beaucoup de choses. Tout ce que nous allons voir, vous les verrez aussi. Et vous nous direz quand même ce que vous en pensez. C'est parti. Wow, regardez ça, il y a trois voies ici. Un truc de ouf. Par où nous allons passer pour continuer notre expédition. On nous dit dans la vie que tout le chemin mène en Rome. Est-ce que c'est vrai? Dites-moi, frère, est-ce que c'est même vrai? Là, il va choisir où je vais passer. Je ne sais même pas. Ah, on espère que j'ai finalement trouvé le chemin. Oh. Allons tout droit. Regardez, là il y a pas ce chemin là, on va aller tout droit. Souvent les parents nous disent qu'il ne faut pas apporter le chemin deux fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas apporter le même chemin deux fois de suite. On dit que c'est pas bon signe. Bon, moi je comprends pas. Est-ce qu'on vous a dit, est-ce que avez-vous déjà entendu parler de trucs pareils? On n'est pas apporté même le même chemin deux fois. Est-ce que vous croyez même aux superstitions déjà d'abord? Est-ce que vous croyez même aux superstitions? On dit de ne pas utiliser une aiguille la nuit. Est-ce que vous croyez à tout ça? Les trucs où on nous dit que il y a des fantômes qui existent, tout ça. Croyez-vous à tout ça? C'est une chose bizarre. Bon, c'est que Vincent, nous sommes ici en famille. Et on se dit les vraies choses. Vous devez absolument vous abonner et partager cette vidéo. Ok, c'est parti. Regardez même la maison qui est là-bas. Regardez. Tout ça, c'est les choses de vanité quand même. Des choses qui vont disparaître comme ça. Waouh. Le monde vraiment fait peur. Regardez autour de moi. Toutes ces choses vont finir par disparaître. C'est vraiment un truc de... Ok, à ce niveau, je viens de sortir de la cité. Là, je ne peux pas aller prendre un véhicule, emporter un véhicule et me rendre à deux endroits. Je ne sais pas exactement par où commencer, mais Dieu c'est le Saint. Dieu c'est le Saint. Qu'est-ce que suivez-nous vraiment ensemble. Allons-y seulement. Quand on dit chez nous, on dit allons-y seulement. Tu vas faire le reste. Un truc de ouf. Les gens sont même chauds et ils vaquent à leurs différentes occupations. C'est extraordinaire. C'est parti. Ok, vous avez sans doute deviné. Je suis définitivement sorti de la cité. Et là, je continue à avancer. Tranquillement. Ah!
femme est une femme, c'est même bien. Imaginez s'il y avait une femme. Elle serait en train de me dire, elle a filmé un peu. Oh, c'est pas mon esclave aussi. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les femmes sont des esclaves? Non. Ce sont des amis. On dit qu'elles sont là pour nous aider. Est-ce que c'est même vrai? Waouh! Waouh, là, ici, un niveau où j'attends le véhicule. J'attends l'arrivée du véhicule. Comme tout le monde. Jusqu'à ce que moi-même, j'aime ma voiture. Pour l'instant, c'est mettre dans le business. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez un véhicule? Est-ce que vous êtes véhiculé? Qu'est-ce que ça vous fait d'être véhiculé? Est-ce que souvent, vous laissez votre véhicule et vous apportez votre véhicule comme ça, comme vous? Ça a l'air cool aussi, hein. Bon, ça dépend de vous maintenant. Vous devez faire ce que vous avez envie de faire. Et moi, je continue d'attendre tout le monde. Regardez même les véhicules sont dépassés. Oh, attends-moi, où vas-tu? Oh, il est déjà passé. Regardez le gros camion qui est là-bas. Regardez comment ils sont défilés. Là, sinon, nous sommes sur l'autoroute. Et il y a un arrêt de bus ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez même ça. Ok, finalement, je viens d'arriver. Là, je vais utiliser le véhicule. Oh, vous voyez autour de moi. Voilà. Ça. Un tuto. Là, je vais faire des achats. J'espère que tout va bien se passer. Que Dieu nous guide. Ok, suivez-moi. Ok, là comme vous le voyez, j'ai arrivé dans un endroit, faire quelques achats. Tout à l'heure, j'ai fait des achats, j'ai acheté un peu pour ma montre. Comme vous le voyez, la pile de ma montre, j'espère que vous voyez, vous allez vous montrer. La pile à ma montre est déjà faible. Donc j'ai décidé d'acheter une nouvelle pile. Je vais essayer de voir, voilà. Je vais acheter une nouvelle pile pour la montre. Voilà, changer la pile carrément. Et ça ressemble à, je vais vous montrer, un champ modèle. Vous puissiez bien voir. Voilà, ça ressemble à ça. Un truc de ce genre. Voilà. C'est extraordinaire. CR2032. Ok, on espère que ça marchera. Wow, regardez ça. Intuitive. Quelle vue. J'espère que vous voyez juste là derrière. Wow. Voilà. Là, ils sont arrivés à un niveau assez extraordinaire de mon chemin. Comme vous pouvez le voir, c'est extraordinaire. Mais comment vous pouvez conduire comme ça? Moi, je comprends pas comment il y a un petit conduit comme ça de la famille sur ma vision quand même. Ah, est-ce qu'il va pas avec les gens? Bon, marchons un peu. Je sais que j'ai cherché un truc à acheter là. Depuis, je cherche une voie. Donc, je continue mon chemin. Voir ce que je peux trouver et je me dirige là-bas. Regardez bien. Ok, c'est parti. Ok, comme vous venez de voir, je viens d'exécuter plusieurs achats et puis au fur et à mesure des gens, les contacts des gens, plusieurs achats. Je viens d'acheter ça. Le centre de galaxie Nord 8.
Voilà, mon effet est cassé. Peut-être vous n'avez pas attention. Voilà. C'est ça. Bon, faut pas ouvrir la prochaine vidéo. Bon, on y va. C'est pas compliqué. C'est parti. Waouh. Regardez ça aussi. Un petit peu haut. Comme vous êtes en train de voir, je vais arriver à capsule. C'est chaud. Hein. Mais ça va arriver. Là, je vais entrer et acheter des choses extraordinaires. Bon, suivez-moi. Je vais ce qu'on va vous montrer. Ok, regardez même ça. Un truc de ouf. Bien, là je vais entrer. Maintenant je vais chercher l'endroit approprié pour faire la charpie. Bon, suivez-moi. J'espère que vous ne voyez rien. Bon, on va aller juste là droit devant. Soit de voir si c'est là-bas. Je viens d'entrer. Bien. J'espère que tout le monde a bien chez vous et que vous portez très bien. C'est la climatisation ici. Il faut que je vous explique quand même ce qui se passe. C'est la climatisation. Ok. Je vais dans un endroit. Bon, vous allez voir tout de suite. Ok, je vais dans un endroit. Ça va se trouver devant. Là, je suis trouvé devant. Bon, viens voir. Voilà, c'est ici que je vais entrer. Je vais entrer par là pour faire de l'achat. Bon, dès que c'est possible, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a même des habits ici. Wow, regardez ce que j'ai pris. Il faut que je remplisse tout ça. Bon. On va aller. Je cherche à acheter. Bon, on va aller acheter ce qui est prioritaire d'abord. Ce qui est prioritaire. Bon, laissez-moi aller chercher. À ce niveau, je viens de faire de l'achat. Je viens d'acheter du savon. Voilà. Ça a l'air cool, hein. Est-ce que vous me voyez même? Je suis même ici, tranquillement, voilà, sur le fait de l'achat, acheter des trucs pour la maison, tout ça. On dit même, ici de secours, mais ne sautez pas, attendez. Bon, allons-y. Waouh, encore un autre de ouf. Regardez tout ce que je viens d'acheter. Je viens d'acheter une bassine, on va faire des cadeaux, des présents, et tas de choses, vous ne pouvez pas comprendre, un truc de ouf. Il y a plein de choses, j'essaie de comprendre ici. Je ne comprends pas tellement. Attendez, je vais voir la vache qui rit. Depuis quand les vaches rient, regardez. La vache qui rit. Un truc de ouf. Ok. Laisse-moi, il n'est pas encore fini. Je continue mon appel d'achat. Waouh, regardez tout ça. Ok. Bon, je vais essayer. On va finir. Voici mon pain préféré. C'est carrément mes affaires qui sont peut-être roulées dans le chariot. Et là, ici, la dernière, c'est de marcher tranquillement. Nous allons faire plusieurs achats. Ah, maintenant, nous allons essayer d'entrer à la maison. Une structure. Bon, c'est quoi? Vas-y. Ok, finalement, je quitte. Ici, je quitte là. Avec tous ces bagages dans la main. Regardez. Heureusement, Dieu m'a donné la force. Là maintenant, je vais essayer d'entrer à la maison et voir ce que je peux faire par la suite. Bon, soyez prêts, je vais en pointer. Regardez même allumer la lumière le matin. Nous sommes à Abidjan. Un truc de ouf. Ok, let's go. Wow. Ceci est mon premier shopping. Mon tout premier shopping. Vous n'imaginez pas ce que c'était dans le sac. Comme vous avez vu la vidéo précédente, vous savez déjà ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a beaucoup de pain. Que de la bénédiction. Venez, on va manger, les amis. Ce n'est pas seulement que de la nourriture, mais aussi des choses extraordinaires.
Ça, c'est un cadeau. Il y a plein de cadeaux aussi à l'intérieur, comme tout, qui m'ont été offerts aujourd'hui. Au fur et à mesure que j'achète, c'est dans un supermarché, tout simplement. Waouh! Bon, ça va aller. Regardez ça, comme vous l'a montré. C'est un protège-écran pour mes Samsung Galaxy Note 8. Voilà. Protège-écran contre la cassure et tout ça, tout ça, tout ça. Il est vraiment très beau, hein, mes Samsung. Apparemment, c'est un nouveau modèle et nous allons le tester. Comme on vous l'a dit, la montre, la pige de la montre est déjà faible. Il faut la remplacer. Alors, nous sommes ready. Ça, c'est un vrai cadeau offert. Regardez même ça. Un truc de ouf, un truc de ouf. Ah! Il y a plein de cadeaux qui m'ont été offerts. Vraiment, ce qui me plaît pas le plus, c'est tout ce que nous avons acheté. C'est le pain. C'est le pain qui est à l'intérieur. Avec certaines choses bon, que nous n'allons pas montrer maintenant. Mais comme vous le voyez, il y a beaucoup de pain. Et ce pain, je l'ai cherché durant toute ma vie. Enfin, je l'ai trouvé. C'est un pain que j'aime bien. Waouh! C'est un truc de ouf, un truc de ouf. Regardez bien. Regardez tout ça. Selon vous, ça coûte combien? On dit pas le prix ici, c'est extraordinaire. Bien. Là, je vais acheter encore un autre truc. Juste une sucrerie de chez. Bon, je dis pas. C'est que si j'ai acheté une sucrerie pour fêter ça, mon premier shopping. Est-ce que vous me voyez comme c'est toi? C'est extraordinaire. Bon, j'aimerais vous dire aussi que le 1er février prochain, c'est mon anniversaire. On dit de ne pas fêter l'anniversaire parce que c'est bizarre. Bon, qu'est-ce que je dois faire? C'est que si j'ai vu un endroit où on peut acheter un vrai cadeau, gâteau, un vrai gâteau. Là, mais c'est pas cadeau, mais c'est gâteau. Un vrai cadeau d'anniversaire. Un vrai gâteau d'anniversaire. Bon, de toute façon, c'est un seul jour. Mais il n'y a pas les choses qui passent vite. J'espère que si Dieu va nous aider, soyez prêts pour le 1er février. Ok, soyez prêts. Soyez prêts. C'est pas ce qui va se passer. Non? Je vous informe déjà, aujourd'hui nous sommes le 15. Oh non, le 16. Je vais même regarder la montre. Bon, ok, pour voir la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est parti. Let's go. Regardez même tout ça.